De la monnaie, elle m'embellit. Y'a qu'au bon Dieu qu'on obéit. J'oublie pas tous mes frères bloqués au pays. Yep, les gens, c'est Neoz. Du coup, on se retrouve sur Hydrosia. J'en avais déjà parlé. J'avais fait un petit live où on avait testé le PP Box à 1000 ms. C'était fun. Du coup, maintenant, ça a plus 1000 ms. On avait Capso. Je vais vous montrer le PVP. J'ai déjà PVP 2-3 fois sur ce launcher. Je vais vous montrer. Par contre, on fait comment pour virer? J'ai un vieux truc. Comme quoi, j'ai reçu un truc. Marqué craft wooden plank, je sais pas quoi là. J'ai un vieux bail en haut à droite de mon écran. C'est ouais, on les vire comment? Je suis pas des vertos. Ouais, re les gens, y'a plus le machin, c'est bon, on peut se taper. Vas-y, du coup. On peut se taper. Genre ta gueule. Oh là là. Aïe ya. Ah, je suis pas chaud non plus hein. Ah moi gros, j'ai même pas cliqué. J'arrive même pas à cliquer gros. Allez, facile Abso. Là t'es trop fort. Ouais. T'sais quoi, je vais être facile deux fois là d'affilée. Attends, il voit quoi lui? Random. Tu meurs quand sinon? Jamais! Oh, vas-y, je te rien contre ce fil là, j'arrête de rigoler. Et... parce que là, après, ils vont croire que t'es meilleur que moi, ça va pas le cas. Il bug, les gars! Là, y'a, ça vend pas, je prends trop cher! Oh putain, attends, je peux plus. Y'a pas de perles, j'allais perles comme apprentice! Les perles sont des activeurs Warzone. Pas déconner. Attends, j'ai plus de speed! Oh, gars! Aïe! Oh putain! Sa mère, j'avais un demi-coeur! J'ai un cœur là! C'est bon! Ah, attends, faut que je bouffe! Hop là! Miam! Je vois de speed des potes là! Vite! C'est bon! Aïe, ouille! Aïe, ya! J'avais plus de potes, Oh mon power, gros! Ah oui, il va se coïter! Non, rien à foutre, tu m'as eu power! Tu fais quelque chose, vas-y, passe-moi des potes! Bah, faut pas les dropper comme ça, bouffon! Vas-y, hop! Tiens. C'est fou. Oh, non, miam. Ah putain. Ça, hop. Je te passe des speeds de speed, tiens. 1, 2, 3. Putain, toi tu donnes des speeds comme ça. Ah ouais. Bah parce que c'est mieux que les speeds comme ça. Parce que dans ce serveur là, prendre des speeds à boire, c'est. Faut avoir des couilles hein. Moi c'est sûr. C'est du PVP. Drop, tu drops plus vite qu'en pratique. Hein, donc, Ah bon, rien à foutre, ce sera des potions à boire. Je vais pas commencer à lancer des potes. Hein. Toi, tu bosses, il va mourir. Il va dire, mais non, tu me tapes pendant que je bois les potions. On va faire un test après. Tu bois tes potions, moi je te tape pendant. Vas-y, go, essaye après. Ça c'est chelou, moi j'ai un pack avec les épées, ils sont okay. Énormes, t'as pas de lag. Oui. Bravo. Fallait être bon. Moi j'ai le pistou. Non, moi j'ai un pack à moi. Attends, on va grail. Moi j'ai le flash hit, donc j'ai pas de frère. J'ai pas le... Ouais, j'ai pas de slash feed de machin. Ouais, t'es mort. Oh non, même pas. Demi-cœur, je pense. Exactement. J'étais sûr. Ah, viens, on teste. Bois tes... Tu vas boire des potions? Vas-y, go tester. Je vais te tryhard comme... Vas-y, TP moi. Ah oui, excuse. Youp là. Alors, attends. Regarde.
Ah, et puis si jamais, pour ceux qui voulaient savoir, on est T3P, hein, là. Genre... Ouais, c'est le stuff de base du serveur, parce que le T4, il est très très rare. Comme vous avez, de toute façon, c'est des jeux, vous comprenez que le T4 est rare. Genre, je bois les deux. Si vous avez des enchantements niveau 30, vous comprendrez ce qui va se passer. Comme ça. Attends, je prends force speed, normal, imagine que là, on est en train de se taper, et là, tu veux prendre tes attends, bouquins. Vas-y. Hop. En vrai, ça va, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais du coup, t'as claqué quand même 2 potes, 3 potes même pour boire des potions, ça fait chier. Après, tu peux, hein, ça, si tu gères bien, à boire tout ça en montagne, du coup, tu prends une petite pomme d'or. Là, en fait, il y a un cooldown sur les pommes d'or et les pommes cheat. Même les pommes d'or de base, en fait, il y a un cooldown. Il y a. Eh, hey, gomme gif des heals! Ah merde! Attends. Mais attends! Vas-y, give-moi des heals, hop. Attends, faut que je mange le 4h. Ah ouais, toi, tu vois, sur ce serveur, le Jitterfic, il est efficace, en vrai. Y'a plein de serveurs gros contre Jitter, je sais pas, j'arrive pas à péter, je sais pas pourquoi. Y'a qu'en practice. Non, mais ça va, là. Allez, facile. Sale critique, gros, je descends. Facile. Attends, tu sais quoi, je vais me balader un peu. Tu peux me mettre le game mode ou je sais pas quoi, un truc pour. Ouais, voilà. Je vais voler. Pourquoi j'ai pas la perte de mettre la. Ah merde, j'ai encore fait de la merde. Oh, putain, du coup, la Warzone, il y a genre. Ouais, vas-y, c'est égal. On a ça, c'est genre une espèce de petite faille, mais genre assez facile à back. En gros, je vous explique rapidement. En gros, la Warzone, ce qu'on peut lui faire. En fait, déjà, ce que ça veut dire, c'est que les AP sont payants. Donc, c'est dans le sens où il faut payer avec l'argent du jeu. En fait, il y a toute une économie autour des factions. Il y a une banque des factions et vous allez devoir payer pour créer votre faction, payer pour clé, payer pour bouger votre FM, etc. Payer pour kick aussi, donc déjà, ça évitera pas mal de bêtises. Hein. Et voilà, en gros, les AP ils sont disponibles dès le début de la version, mais ils coûtent un certain prix. De toute façon, tu peux faire ça HFF. Ah, de toute façon, quand tu passes dessus, c'est marqué genre 15 000, 10 000 ouais. Le deuxième club. Voilà, c'est ça. Ensuite, il faut savoir aussi, c'est que la Warzone, comme je l'ai dit, elle est petite, parce que déjà, une grande Warzone, c'est chiant, parce que les gens ils sont d'un côté de la Warzone, toi t'es de l'autre, et impossible de se trouver, il n'y a jamais de PVP donc, sur un serve à 400 go. Là, au moins, la Warzone est réduite, donc trouver du PVP, c'est pas compliqué. Également, du coup, c'est facile à back-up. Mais pour ça, en fait, on a créé des warps, qui sont les warps désert et les warps plain, dans lesquels vous avez une warp. En fait, c'est dans la map, plus loin dans la map. Ah, tu peux pas faire un slash warp? Non, c'est dans les portails au spawn, tu peux aller faire slash warp, tu peux aller voir. Ouais, bah, c'est parti. En gros, tu peux te faire TP dans un désert, avec un spawn safe évidemment, et dans une plaine avec un spawn safe. Et vous allez pouvoir PVP. C'est où ça? En fait, il y a une warp derrière toi, là. Là où je suis, là, derrière toi. Aïe. Et voilà, vous allez pouvoir PP en fait à Warzone et il n'y a pas d'AP derrière en fait. Donc, ça vous permet de pouvoir faire des gros PVP sans risquer que les mecs back AP machin. Et évidemment, c'est sur la map de base aussi. Oh, le petit bruit de TP a éclaté. Voilà, ici, c'est globalement. Ici, voilà, c'est globalement là où il y a le PVP. Voilà. Ici, vous pouvez PVP, il n'y aura pas d'AP. En plus, c'est dans un environnement naturel donc c'est un peu. Eh, tu peux perdre là? Non, pas ici, mais dès que tu sors de la Warzone. C'est où pour la fin? Là, la fin elle est fin, où? La fin, c'est à 12 chunks plus tard. Ah, 12, ok, ça. Non, mais y'a pas un F-map au pire? Si. Ouais, je vois, ok. Voilà, en gros. Et du coup, tu peux claim autour là en fait? Ouais, tu peux toujours claim autour. Okay. Mais faire des big traps du terre. Conseillé par la loi, mais. T'inquiète. Ah, c'est fun. Ah, mais y a une règle qui interdit les traps proche de la Warzone. Donc, si vous voulez faire des traps, allez-y, mais vous allez faire. Genre, c'est un peu usbug là. Je fais du usbug ta merde là. Tu veux pas. T'inquiète. Peut-être que tu peux. Voilà. Non, mais sauf que. Ouais, mais t'es en combat, ouais, je sais, tu peux pas passer. Y'a. Ouais, mais c'est fun. Oui, tu peux. Là, tu peux remonter facilement, hein, c'est pas le problème. Mais si t'es en combat, on a mis un World Guard qui met un gros mur de verre qui empêche de rentrer. Pareil pour le spawn et pareil ici. Et voilà, ici, voilà, globalement, ici vous avez un grand. Une zone de PP. C'est pareil, Warplane, hein, je peux TP Warplane si tu veux. Vas-y. Tac, ici. Voilà, ici c'est pareil, mais avec un environnement de plaine.
Et voilà, globalement, ça permet de... Et on aura la possibilité de foutre le gamma, là. Cela, c'est la hesse. Il faudra qu'on envisage... Au pire, un vieux slash NV à la Frozen New a éclaté, là. Genre un truc, genre, on paye 10€ et hop, ouais, on a un slash NV. Payez 500€ en totalité, vous aurez un slash NV, là. Et là, il y a des vieux blocs, c'est quoi, ça? Ah merde, ça, c'est quoi, ça? Ouais, les blocs, c'est bien. Et ouais, voilà. Bah voilà, globalement, c'est pour le PP, voilà, c'est... Et puis, comme j'ai dit, les Dark Punch sont désactivés. Pour éviter, bah, les Dark Punch, c'est cancer, hein, tout le monde connaît, de toute façon, c'est le pire truc, ils ont jamais dû ajouter ça dans les factions. Les K2 sont enlevés, il n'y a que les K1. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Le P4 est extrêmement rare. Parce qu'on a réduit énormément, vous pouvez tester, hein, chez vous, en séchant en launcher, tenter de faire des enchantes P4. Enfin, niveau 30, vous aurez très peu de P3, P4. Voilà, pour le rendre rare, pour avoir un PVP qui soit drop au maximum. Parce que PVP pendant le mec pendant 15 minutes pour qu'il break, et au final le mec back, etc. Enfin, c'est chiant, quoi, c'est pas drôle. Les enclumes sont payantes, elles sont pas craftables, comme les hoppers. Ce qui permet justement de réduire au maximum cet aspect P4 à la con, là. Oui, j'aime pas le P4, vous avez remarqué. et voilà, donc... Bon, dire que c'est un pay to win parce que les enclumes sont payantes, c'est complètement stupide, parce que... Et vas-y, pète-lui la gueule à la vache, là. Si les enclumes sont payantes, les... comment on appelle ça? Bah, quasiment personne en aura, donc au final, vous aurez tous le même stuff, c'est-à-dire du stuff P1, T3. En gros, le stuff basique, en fait, ce sera un stuff P1, T3. Donc, globalement, vous prenez votre stuff, vous l'enchantez niveau 1 ou niveau 30, vous aurez du fail enchant. Un fail enchant, c'est quand vous enchantez niveau 30 et vous avez genre Unbreak ou 3, Positive Protection, comme ça. Et voilà, c'est du PVP hyper drop, ça va hyper vite. C'est... En fait, quand tu vas en Warzone, t'es sûr de buter quelqu'un ou de trouver. Enfin, en tout cas, voilà, tu sais que tu vas pas juste arriver, break un stuff et back. Quoi. Ça va vraiment être. Tu vas revenir avec du stuff quasiment tout le temps. Et voilà, quoi, ça permet de dynamiser PVP. Et au final, ça paraît tout con comme ça, mais c'est quelque chose auquel on pense pas souvent dans les serveurs. Très peu, même s'ils ont 300 connectés, très peu de gens PVP parce que y a énormément de random. Parce qu'en général, sur les serveurs, c'est une majorité de random. De débutants, ça fait pas de dire random, évidemment. Mais c'est une majorité de débutants et ils osent pas dire PVP parce qu'il y a trop de trucs à avoir. Bah, faut payer les spawners, faut payer machin, parce que c'est du pay to win. Faut avoir des cookies, des machins, enfin bref, faut avoir trop d'items en fait. Et là, voilà, là, vous prenez vos potions, vous prenez votre stuff et vous sortez en Warzone. Il y aura plein de gens, tout le monde va aller PVP. Et voilà quoi, moi je vous conseille de venir essayer. Parce que de toute façon, c'est. En vrai, faut essayer quoi. C'est-à-dire que c'est. Quand on connaît pas, voilà, on peut penser que c'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose à tester quoi. Et vraiment, c'est. Voilà. Du coup, je vous laisse venir checker dans la description pour venir. Hein. L'ouverture le 04-04, le 4 avril ici. Du coup, bah là, la vidéo elle devrait sortir le 1er. Ou je sais même pas s'il y a un 31 dans ce mois de merde. Et ouais, alors le 31 MDR. Et du coup, moi je mettrai les liens en description. Moi je vais y jouer un moment, en tout cas serveur. On va regarder ce que ça donne. Pour l'instant, moi ça me paraît plutôt correct. J'ai encore regardé le faction, ce que ça donne. Et puis voilà. Faudra que je me remette à farmer salement si on joue sur serveur. Mais bon, de toute façon, c'est temps, on a le temps, on va pas se mytho. Ouais. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien. Mais voilà. Du coup, c'était Neoz. Du coup, moi, je vous mettrai tous les liens en description. N'oubliez pas d'aller voir. Puis, vous pouvez déjà voter pour le serveur, même à partir de maintenant. Si ça peut vous intéresser pour gagner après des items, des slash bots en jeu. Du coup, moi, je vous laisse. A plus, les gars. Allez, bye bye. J'suis dans le délire, ouais, j'suis dans le délire. J'fais de la monnaie, elle m'embellit. Y'a qu'au bon Dieu qu'on obéit. J'oublie pas tous mes frères bloqués au pays.